Bonjour YouTube et bonjour le stream, on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle session de ce let's play sur Grid, enfin si on peut l'appeler ainsi. La dernière fois on avait testé le mode avancé de difficulté et on avait évidemment enlevé des aides, enfin du moins on avait réduit des aides à la conduite. Donc on va voir si aujourd'hui j'arrive toujours à peu près faire le taf, et si c'est pas le cas bien évidemment on remettra la difficulté, je pense, déjà dans un premier temps en normal, avant de voir si c'est vraiment ça le problème ou si c'est peut-être les aides à la conduite qui sont mal réglées ou autre. Enfin bref, du coup. Ah oui, et puis commencer sur, sur ce genre d'épreuve, c'est au secours. Mais on va le faire quand même. On va le faire quand même. Et du coup, par contre, on va faire les qualifications. Donc ça, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. C'est que, voilà, maintenant, on fait les qualifs, histoire de faire un petit tour d'échauffe. Et une fois que c'est fait, et ben là, effectivement, on peut éventuellement... se dire que le difficile, le mode difficile est gérable. Si vous ne savez pas, ah ouais, non mais par contre, non, je vais quitter. Alors par contre, j'en ai plein le cul. Voilà. Je pense qu'on va tout réduire un petit peu, parce que c'est vrai que je trouve que le son est fort. Hein. Appliqué, très bien. Retour, et alors par contre je vais quitter parce que je voulais faire les qualifs, et comme un zozo j'ai appuyé. Recommencer l'épreuve. Ah, on peut, d'accord, okay, on peut quitter et ça n'efface pas en fait la progression si jamais d'accord. Alors j'ai eu des retours sur le jeu, même des retours perso, hein, de mon entourage. De certaines personnes. Bonjour et merci de nous avoir rejoint. Ah, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Les qualifs. J'ai eu des retours comme quoi en fait le jeu était très maigre et que il était pas fou en comparaison à aux anciens grids. Ok, tout est dans le dosage. Hein. Le tout est de prendre un bon pli. Ah putain, ouais, c'est trop tard à la con. Ouais, non mais j'ai fait n'importe quoi, je suis aux fraises, hein. Sachez-le. Oh là là, j'ai aucune anticipation. Bah, en même temps, il devrait laisser deux tours. Bon, là j'ai 6ème. Bon, ça va, il y a pire. J'ai fait n'importe quoi. Il devrait laisser deux tours en fait. Il devrait vraiment laisser un tour pour le tracé et un deuxième tour pour vraiment se faire... Ouais, j'ai même pas une seconde quoi. Allez, c'est parti, on assume. Ouais, apparemment, ouais, beaucoup disent que le contenu est un peu maigre, que les anciens étaient plus intéressants. Les anciens, je les ai pas connus. Moi, pour l'instant, objectivement. Ça va. Moi, pour moi, ça va. Évidemment, tous les pilotes ont la même stratégie. Ah oui, ferme-la. Ça, c'est pour ça. Ah oui, ferme-la, connasse. On a plus besoin de tes nichons. Ah, c'est l'entertainment. Bon, il faudrait tester une course aussi en activant les dégâts. Hein. Franchement, je le dis, mais à chaque fois, mais ça serait vraiment rigolo, je pense. Ouais, non, mais oui, oui. Bon, si ça commence comme ça, bon. En même temps, legit. Bon, allez, hein. Hop, on va dire ça comme ça. Oui, une fois qu'on a le tracé en tête, ça va. C'est. Oh putain. Bon rythme, gagne des places au deuxième tour. Bon, faut que j'arrive à passer par contre. Même endroit. Mais il va jamais me laisser passer en fait.
Là c'est cool, on sent qu'il y a un peu de difficulté. Je pense que la difficulté on va la laisser comme ça, hein, clairement. À moins qu'on tombe vraiment sur une épreuve où on en chie à mort. Et troisième tour. Oh là là. Entre toi et la première. Mais il y a 6 tours. C'est cool. Déjà ça se joue un peu plus sur l'endurance. C'est ça aussi que j'aime bien sur les jeux de bagnole, c'est justement quand ça fait travailler l'endurance. Laisse partir un peu. Ça c'est n'importe quoi. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Je fais vraiment de la merde sur ce virage. On va dire que c'est la course des chauds. Est-ce que ça se ressent? Ah, mais en vrai, les aides à la conduite pour l'instant, je trouve que j'ai bien réglé. Hein. Le feeling est bon. Ah, par contre, là, ces derniers tours, il faudra les conneries. Hein. J'adore parce que eux, ils ont un sang-froid quand on leur rentre dedans. Pas de problème. Hein. Ouais, j'ai un petit peu été vénère. Il est vrai. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Bon, waouh. Non, mais il me collait vraiment au cul en fait. Au secours. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais ça passe. Ça passe. Et en plus, avec cette bagnole à la con, les courses avec cette bagnole, généralement, j'ai du mal. Mais les qualifs sont déterminantes. Alors bon, on le fait un peu à l'arrache forcément parce qu'on n'a pas forcément tous les noms de circuits en tête. Mais c'est bien, il y a un challenge, mais c'est un challenge legit. Parce que bon, c'est vrai que bah, soit on mettait en normal et on arrivait tant bien que mal à faire le taf pour passer premier, mais c'était un peu bourrin. Là on est obligé d'être regardant parce que du coup la bagnole peut partir en couille. Il y a du répondant. Non, franchement, c'est cool. Franchement, je trouve que... Voilà. Hop, c'était juste une course. Putain. En fait, j'espère qu'en avançant un peu dans les coupes, que vraiment, le nombre d'épreuves, la durée des épreuves, tout ça, ça va gonfler. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, on fait une course, deux courses. Ah. Ah oui, là, on passerait sur d'autres véhicules. D'accord. Donc, ouais, voilà. De toute façon, on a de quoi faire. Allez, les américaines, franchement, voilà. Je m'excuse d'avance si ça part en couille. Comment ça? On l'avait vu celle-là? Ouais, mais on a Bumblebee. On a Bumblebee. Au secours, j'ai un milliard de notifications qui ne m'intéressent pas. Christine, quelles sont les particularités de ce circuit? C'est un endroit emblématique. J'ai pas de calife? Il y a plein de changements de surface subtiles et ces longs virages rapides en font un circuit. Pourquoi j'ai pas de calife? Ah, c'est du chrono? Bah non, je vais devant lui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, une voiture comme ça sans aide, je pense que ça va être rigolo. Hein. Enfin, sans aide, je m'entends. Pour l'instant tout se passe bien. Au secours le reflet. En fait c'est quoi le principe là? C'est vraiment une course? Il y
Il me faut vraiment démarrer 14ème en espérant qu'en 3 tours. Je vais. Bon, c'est sûr qu'à faire ça, je vais pas y arriver. Hein. Ben, c'est super. Non, mais voilà, on vient de passer un tour. Mais c'est quoi cette épreuve? Vous avez pété les plombs? C'est quoi? C'est. Ah mais non, premier. Je suis premier, d'accord, oui, en fait c'est des chronos quoi. Ok. Bon, en fait j'ai fait le meilleur chrono pour l'instant. Lol. D'accord. Donc, si seulement j'avais pas été dissident, peut-être que j'aurais pu m'améliorer. C'est pas grave. On part du principe que ce tour est foutu. Et ben bizarrement, je trouve que la conduite est pas si désagréable que ça. Ah ben c'est cool hein. Bon encore une fois, what? What? Je suis passé 3ème. J'ai plus droit à l'erreur. Allez, concentration. Bon, en fait, des fois, il faut vraiment que je gratte sur le sur-régime, mais putain, mes rapports. Ah là, ouais, non, mais je pars tellement. Mais non, mais putain, mais je regarde, mais. Oh, premier. Je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment joué à que dalle. Alors, par contre, un truc qui me dérange dans les jeux de bagnole, là, regardez les temps. Regardez les meilleurs tours. Vous voyez toutes les IA dans l'ordre. Vous voyez qu'en fait, ils sont limite. Enfin, on sent qu'il y a un. Enfin, du moins dans les premiers, 414, 448, 464. C'est vraiment. Ils se collaient au cul, quoi. C'est vraiment le. L'IA, elle était optimisée pour faire premier, deuxième, troisième. Ensuite, il y a un petit palier d'écart, évidemment. Mais ça reste vraiment en bloc. Et il y aura toujours un petit dernier qui, évidemment, sera un peu aux fraises. Et encore pas tant que ça. C'est l'IA des jeux de bagnole, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué de juger une IA juste sur une simulation de temps sans éléments étrangers contextuels. Tu dis à une IA, va du point A au point B. En fait, je pense qu'il y a une sorte de potard d'optimisation, en fait, qui se règle en fonction bah, des programmes du jeu, tout ça, tout ça. Très complexe, hein. Des algorithmes. Mais juste sur du chrono, comme ça, c'est pour ça que j'ai jamais été trop fan des épreuves de chrono depuis que je suis gamin. Et donc là il pleut, très bien. Donc même délire d'épreuve. Alors ce circuit là on le connaît. On va éviter de faire les Américains. Ouais voilà. Pourquoi lui c'est mon rival? J'ai rien fait. Je lui ai rien fait. On va éviter de faire les Américains dans une voiture américaine. Merci à tous. Je sais que vous allez beaucoup rire.
Ouh là là, ouais, non, faut vraiment pas que j'appuie à fond sur la reprise. Vous savez que pour l'instant c'est un sans faute, hein, même si évidemment en reprise de virage c'est compliqué. Voilà, au secours, le poids. Voilà. Et j'avoue que sinon, on est bon quoi. Il faudrait que j'arrive à doubler Maiko Cohen. En fait, si en permanence je double des gens, je pense que je suis bon. Au secours. Trajectoire idéale. Oui. Attaque par l'intérieur, ouais. What? Je le sens, il est derrière moi. Il m'en veut. Il est vexé. Ouais, faut jouer sur les rapports quand ça commence à partir en vrille. Voilà, pour l'instant c'est un petit peu plus maîtrisé. Putain, mais je fais moins bien. Alors que je me bats, je lutte. Je lutte contre moi-même. Mais là, au secours, le poids de la voiture. Bon, là, ce virage, je l'ai mieux, beaucoup mieux pris. Mais genre, il n'y a pas photo, quoi. Et je fais moins bien. Putain, c'est fou. Ouais, je suis pas obligé de piler autant. J'ai peur de partir en vrille, mais... c'est Chouchou. Y'a pas un dessin animé pour gamin qui s'appelle comme ça, Chouchou? Tu vois. Sûrement pas. Ça pourrait, mais... Mais si, il y a un train là con là, qui est horrible là. D'ailleurs, il y a des modeurs sur Resident Evil 2 qui l'ont mis lui à la place du Monsieur X. Comment il s'appelle ce petit train là con là? On dirait un jouet, mais c'est pas Tom. Il s'appelle pas Tom, je sais pas quoi d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il a l'air vraiment démoniaque ce train, mais Sophia Labelle, t'as Sophia Labelle. La dernière fois, on nous en voulait. Hein. Bon, ça va. Et en vrai, bah du coup, j'avais extrêmement peur, typiquement, enfin vraiment en particulier avec ce genre de véhicule, que ça se passe très mal avec tout ce que j'avais réduit, le surplus de difficulté. Et là, dans les faits, bon, sans... c'est pas vraiment de la course, hein, c'est juste du chrono, mais il y a quand même des mecs. Je voyais que ça allait. Nick Whittle, qui est 6ème du coup. Nick Whittle, le bro. Niveau supérieur. Incroyable. Travail Bumblebee quoi. Maiko Cohen hein, qui était le challenger. Énorme. Mais c'était cool. Alors là par contre Alpine Stars. Ah oui mais j'ai pas d'Alpine. Ah non ok, donc c'est rien à voir. Et ben l'S2000 hein. Et là je suis sûr que vraiment on va kiffer. Parce que là je vais pouvoir un petit peu appuyer histoire de la faire partir normalement. Si je joue pas de manière extrêmement dégueulasse, ce qui est probable aussi hein.
Saskia des Vries, d'accord. Bonjour et bienvenue à l'épreuve du jour. Christelle, qu'est-ce qui nous attend ici? Ce que j'aime dans cette série, c'est le... Et d'accord, Time Attack Battle, donc ok, j'ai juste pas lu le titre de l'épreuve. Donc c'est pareil, même épreuve. Oh là là, c'est pire. C'est un kart. C'est vraiment un kart à piloter. J'ai pas besoin de regarder le compteur. J'ai l'info devant moi. Juste du coin de l'œil, ça suffit. Oh là là là. Un plaisir. Un gros plaisir. Bon, j'étais un peu excessif. J'aurais pu anticiper. Bah en fait, le jeu nous donne l'info par rapport à... Non. Le jeu nous donne l'info à une certaine distance de... du virage. Mais s'il faut vraiment piler bien avant, il va pas nous le dire. Il va nous mettre direct du rouge en mode, oula, là tu freines. Mais en fait, ça se trouve, faut freiner avant quoi. Après, avoir des flèches tout le temps pour les trajectoires, moi ça me... Ça m'intéresse pas forcément. C'est vraiment juste pour les virages, quoi, histoire d'avoir un minimum. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît les tracés, on pourrait éventuellement se dire, ouais, c'est bon, on enlève ça et on fait au cac. Ou les rendre plus discrets. Mais je sais pas, je pense pas que ça soit personnalisable à ce moment-là. Vraiment un régal à la piloter. C'est vraiment... Je retrouve grosso merdo les sensations que j'avais sur le Gran Turismo là, que j'évoquais la dernière fois. C'est pas trop prise de tête. Ouais, bon, en même temps, voilà. J'avais pas envie de batailler. Non! Le jeu a dit ok. Moi je retrouve grosso merdo les sensations que j'avais sur le fameux Gran Turismo. Pas trop prise de chou. En même temps c'est de la conduite quoi. En vrai, je pense que si j'y passais vraiment beaucoup plus... Putain. Si j'y passe beaucoup plus de temps, il y a moyen que je me tâte à faire plus de simu, proprement dit, et être un peu plus exigeant et rigoureux. Oula, je fais n'importe quoi. J'ai fait moins bien là. Ah non, j'ai fait mieux. 0 0 0 17. C'est ridicule. Ah c'est cool. Là typiquement voilà, la bagnole part et paf, ça glisse quoi. C'est cool. Franchement. Et là je fais moins bien. Ce virage, j'ai du mal, hein. Je le prends un peu trop brutasse à chaque fois. Je perds beaucoup de temps. Alors ici, c'est voilà les virages de la mort. Hein. Je fais n'importe quoi. C'est le seul moment où il y a un petit peu de... C'est le seul bout de tracé où il y a un minimum d'enjeu. Et je chie tout. Ah non, pas ça. Bon, legit parce qu'à chaque fois, je freine. À chaque fois, je fais une sortie comme ça. Au lieu d'accélérer comme un tabanas en me disant « Ouais, shortcut !» Je freine. Je suis trop honnête. Là je fais la merde. J'ai fait la grosse merde.
Ah désolé hein, j'ai pas le temps. Mais c'est con d'ailleurs de faire des collisions parce que en vrai je ferai zéro collision. J'aurais pas d'argent à payer. J'aurais pas de malus. Et donc les gains de pépette seraient optimisés. Bon après est-ce que c'est vraiment important? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Paf. Bah pour l'instant ça se passe bien. Et puis en fait le mode difficile pour l'instant ça va. A voir avec les F1000 et compagnie. Parce que là ouais quand on va passer sur les Nick Whittle qui est 3ème. En fait on a une masse de thunes alors. Énorme. Ouais quand on va commencer à partir dans ces délires là oui. Alors là encore ça va. Moi ça me fait un peu peur mais ça peut aller, c'est maniable. Au secours. Au secours. Ah ouais non mais ça va être le pire. Ça va être le pire en fait. Ah non ça aussi c'est horrible. Ah il y a encore pas mal de choses qu'on n'a pas vu hein. C'est cool. Et en fait c'est les circuits. Je vais voir un petit peu si on... si on voit d'autres circuits quoi. Ça a l'air un peu plus tard de... ouais de... il y a encore quelques circuits à découvrir quoi. Mais c'est vrai que le nombre de circuits je le trouve un peu maigre pour l'instant. Après c'est... est-ce que c'est parce qu'on est que sur les débuts et du coup le... en termes de complexité le jeu nous... je sais pas ce qu'on a fait déjà pour l'instant. Attendez je fais un tour de ce qu'on a fait pour voir un petit peu. D'accord. D'accord. Ok, donc on en a déjà fait une bonne partie quoi des circuits existants dans le jeu. Et ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un brin de déception. Vous pouvez sûrement le ressentir. Allez, par contre, la dernière fois, on a testé la... la Aston Martin. Là, faut pas déconner. Je prends ma petite 350Z. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Avec ses réglages. C'est une course. Alors, est-ce qu'on fait les qualifs? J'ai envie de dire que oui. Allez les qualifs. Faut pas déconner hein. On va voir hein, peut-être qu'en essayant. Je pense que alors, clairement avec la S2000 je suis chaud. Mais alors avec des voitures qui sont plus puissantes et d'accord. J'ai failli mourir hein. Ah mais c'est les qualifs, quel con. Dans ma tête j'étais en course. Je savais, merde c'est bizarre, y'a personne. Y'a qu'un tour. Voilà, tranquillement, tranquillement. Un petit peu de pression, on appuie petit à petit. Et c'est bon. Ça va, ça va, ça va, ça se passe bien. Ça va, c'est bon. La maniabilité est là. C'est puissant, faut pas déconner, mais ça se passe bien. C'est cool. Bon, on a fait premier du coup, hein. C'est un peu la craquance quoi. Et faut que je pense à utiliser Nick Whittle, attention, hein, le collègue qui est très important. Enfin, très important.
Il y a de quoi faire avec, quoi. Bonjour à tous, on vous a bien entendu faire du bruit ici. Est-ce que vous pouvez en faire un peu plus pour Christine? Elle est trop bonne! Et après tous ces enfants, Christine, on va revenir sur ça si tu veux, ça va commencer. Ok, c'est parti, c'est dans la poche. Voilà, ça commence. Voilà, ça me colle au cul, je sens qu'on va tellement me faire une tête à queue. Je teste des trucs, hein, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. J'ai fait n'importe quoi. Merci à tous. Je sais pas, dans ma tête, le véhicule pesait 400 grammes. N'importe quoi. Au secours. Tout est parti en couille il y a très longtemps. Dans des temps immémoriaux. Ah c'est bon. C'est vraiment le dosage à la gâchette qui est compliqué en fait. Ça va être très sensible, très légère. Bon, visiblement, la prochaine PS5 sera dotée d'une manette high-tech qui coûtera à peu près 4 millions. On est à la moitié de la course. Elle vous fera le café le matin et vous fera couler un bain le soir quand vous rentrerez du boulot. Ah oui, c'est vrai, volant à droite. Je réalise que maintenant que j'ai le volant à droite. Merci à tous. Ah, le petit dosage là. C'est rigolo. Ouais, par contre, au niveau des nombres de circuits, c'est vrai que c'est un peu maigrichon, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Mais c'est une fausse impression, hein, mais. D'où l'intérêt de pas torcher le jeu, se faire des sessions de 5 heures et finalement de dégommer le mode carrière en 2 semaines quoi. Ce serait dommage. Mais j'ai vraiment pris un shoot là dans le capot pour qu'il soit comme ça. Ou c'est un effet d'optique. Oula, le meilleur tour, effectivement le meilleur tour, ça coule un peu au cul quoi. Mais
Super. Ah. Brands Hatch, ok. En pluie. Oh là là, en pluie avec ce véhicule-là. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Kristen. À quoi pour Mais ça va être rigolo. Allez, les qualifs, hein. Petit sexe, certes, mais voilà. Après, je dis pas, hein. Il y aurait peut-être moyen que. Ah, par contre, il y a une visibilité au secours. Il y aurait peut-être moyen que passer le cap du mode carrière, si on est encore hypé par, par le jeu et qu'il y a des mises à jour correctes, on peut très bien se dire qu'on va. On peut tester le mode online et tout ça. Moi, le problème que j'ai avec le mode online sur les jeux de bagnole, et c'est un peu le même problème que j'ai avec les jeux de baston, c'est les connexions en fait. C'est vraiment quand tu joues. Et même les, bon, les mecs cancer, bon, ça, bon, c'est un peu. Sur tous les jeux pareil, mais c'est vrai sur les jeux de bagnole le problème c'est que c'est hyper punitif quoi. T'as un mec cancer qui te rentre dans le cul volontairement mais comme un sale. Je dis pas les collisions ça arrive, ça existe, voilà. Mais bon, quand le mec te rentre dans le cul volontairement pour que tu fasses un tête à queue et que t'es une vie de merde, bon. C'est ça qui est difficile, je pense, avec le jeu de bagnole en ligne, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps on s'est fait Crash Team Racing, que j'ai juste surkiffé. Hein. Bon, après j'ai peut-être surestimé mes capacités et mon envie de batailler à ce point-là. C'est vrai que quand j'étais petit, quand on était plus jeune et tout, on n'avait pas forcément autant de jeux et. Et c'est vrai que des jeux qui se démarquent comme ça, c'était pas pareil. Puis même, c'était pas pareil, il y avait pas ce délire de mode online et tout ça, c'était vraiment que du local. Et bon, à l'époque, Crash Team Racing, je l'avais saigné et tout, et je bataillais. Des fois, je tryhardais. Et là, quand j'ai voulu me mettre genre au chrono, bah en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie. Autant j'ai kiffé le jeu de base, j'ai kiffé me refaire le mode solo et compagnie. Autant me retaper des tryhards pendant des après-midi entières juste pour péter un record. Un record complètement pété fait par l'IA. J'ai pas la conviction de faire ça et j'ai pas le temps en fait. Donc c'est pour ça aujourd'hui, même si effectivement certains me diraient que effectivement j'ai pas un niveau dégueulasse sur les jeux de bagnole ou autre, hein. Je me considère vraiment comme un casu parce que je m'investis pas au point de justement tryhard comme un malade et perfait quoi. Des fois j'ai des éclairs de lucidité et effectivement je vais perfait sans vraiment. Ça devrait aller aujourd'hui. Tous tes efforts sont en train de payer. Je vais perfait mais en mode automatique quoi. Mais j'ai pas cette mentalité de. Voilà. De compétiteur assidu. Je suis perfectionniste, ouais. J'aime bien quand c'est propre. Mais. J'ai pas besoin que ça soit parfait pour autant. C'est la nuance. Si je fais un truc et que je considère que c'est cool, c'est fluide et que ça a du sens, et qu'à côté il y a un mec qui vient me voir et qui me dit ouais regarde je l'ai fait mieux parce que j'ai fait ci comme ça, je dis ouais c'est très bien. Mais je vais pas non plus ne pas endormir quoi. Ça se passe bien. Ça se passe mal. Après j'aime bien un tryhard à minimum, hein. Il y a des fois j'ai des petits excès comme ça dégueule un peu et je fais ah putain vas-y faut le faire. La dernière fois c'était ça hein, typiquement la fameuse course où on a mis en difficile et tout, il a fallu s'adapter, il a fallu vraiment redécouvrir le jeu.
que bon, bah, on n'était plus en mode on appuie comme des bourrins et tout se passe bien. Non, non, là il y avait vraiment un changement à prendre en compte. Mais il y en a beaucoup hein, qui rebutent avec le passage de. Oh putain. Le passage de vitesse en manuel. Mais en fait c'est un pli à prendre. Hein. Déjà faut écouter. Puis les jeux aujourd'hui sont tellement bien branlés qu'il y a des indices visuels de partout. Donc en vrai c'est pas si compliqué que ça de faire du passage en manuel. Et c'est même pas une question de savoir vraiment conduire dans la vraie vie, hein, parce que. J'ai appris à jouer en mode manuel avant même d'avoir le permis. C'est Ah, puis ça permet plus de liberté. Bon, ça amplifie le risque de se chier également, mais pas forcément. En fait, c'est un pli à prendre. C'est vraiment un pli à prendre. Faut écouter la bagnole. T'as par contre au secours la sixième quoi. Faut écouter la voiture. Maintiens cette position, dernier tour. Là typiquement vous voyez j'ai appuyé à fond sur la gâchette alors que bon normalement j'aurais dû être un peu plus léger pour justement laisser le poids de la voiture faire le taf au lieu de vouloir forcément mettre une poussée excessive. Après ouais, effectivement il y a le dénivelé du virage à prendre en compte, l'inclinaison, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est comme par exemple les jeux de golf, hein. Quand je joue au golf, des fois je vous explique des trucs, bon, je sais que si certains sont en mode casu sur les jeux de golf, ou enfin plus casu que moi sur les jeux de golf, ou que vous en avez juste rien à branler, je peux comprendre que ça vous passe un petit peu derrière l'oreille. Mais mine de rien, il y a de quoi faire quoi. Là voilà, typiquement, si j'étais resté en 5ème, je serais parti en couille. Le fait d'être passé en 4ème et du coup d'avoir mis un petit coup de sur-régime, bah, ça m'a permis de. Par rapport à comment se passait le virage, l'inclinaison et tout ça, ça m'a permis de pas reprendre, de me remettre sur rail. Ça aurait été dans d'autres conditions, j'aurais pu me foutre en l'air en faisant ça. Vraiment, ça, voilà, c'est petit à petit, il faut prendre des notions et là, on joue pas avec toutes les aides désactivées et compagnie. On a juste réduit les aides de base. On trifouille pas les véhicules. Enfin voilà, ça reste très très sommaire comme approche. C'est casu, enfin je considère que c'est casu, alors ça l'est peut-être pas, hein. Mais Ah oui, et technique 0 d'XP, parce que forcément vu que j'étais premier tout le temps, bah, j'ai pas fait de points par rapport à au fait de dépasser des véhicules et tout ça. Donc c'est pas forcément bien de démarrer tout le temps premier. Oh là, un petit 350Z, magnifique. Magnifique. Ah, je sens qu'on va rigoler. Donc là déjà va falloir acheter une voiture. Chevrolet Corvette, ok, Corvette, une Viper. Me demandez pas s'il y a une différence entre une Viper et une Corvette, hein. L'Aston Martin, ok. Ford GT, alors les Ford GT, c'est ouf aussi. Les GT40, elles étaient folles. Bon, c'est très compliqué à manier, mine de rien. Mais souvent, c'est folle. Ferrari, alors je suis pas très très fan, mais je sais que cette voiture-là tient le pavé. Je sais que cette voiture-là tient le pavé. Je crois que la GT40 est...
Ouais, similaire. On n'a pas de stats détaillées, hein. C'est vraiment juste puissance, poids, c'est sommaire. Ou la Viper, on se fait un kiff avec la Viper. C'est vrai qu'elle est stylée. C'est vrai qu'elle est stylée la Viper. Et puis bon, Viper c'est. Voilà quoi, c'est. C'est une Viper quoi. Ouais vas-y. Ça c'est vraiment le choix du gosse qui est en moi. Parce que quand vous alliez en magasin chercher des petites voitures majorettes, et ben vous preniez toujours la voiture avec des bandes qui faisaient sportive. Et souvent c'était des AK Corvette ou des AK Viper en fait. Mais c'était surtout des Viper. Elle est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Elle est vraiment belle. Et j'ai même limite pas envie de la retoucher quoi. Enfin, je vais lui mettre un skin je pense et regardez le nouveau skin d'ailleurs. Ah elle est folle hein. Elle est vraiment folle. Pourquoi j'ai pas débloqué ça? Comment on fait pour débloquer ça? Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et ils sont, mine de rien, c'est pas un jeu qui se prend la tête, mais bah, par rapport aux personnalisations disponibles, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Alors, il y en avait une qui me plaisait bien. Alors, par contre, on va modifier les couleurs un petit peu. Ouais, c'est celle-là, elle est vraiment pas mal. Après, celle-là aussi, hein. En modifiant les couleurs, on peut se dire. Il y a un effet vraiment sympa. Donc, celle-là, ça donne quoi? Ouais, celle-là, ça fait vraiment les petites majorettes. Vas-y, je prends ça. C'est fou. Allô? Ah, il faut le sélectionner, d'accord, ok. C'est sélectionné. Et ensuite, on peut personnaliser. Et donc là. Ah, mais mine de rien, le petit jaune est pas dégueu. Hein. Ouais, c'est bon, je personnalise. Ça va. Laissez-moi rêver. Pire, on laisse en jaune. Ah ouais le petit gradué là et le petit contraste c'est cool. Ah ça donne un effet sympa. On peut laisser un vert un peu ouais un vert pomme. Par contre le blond on le dégage. Le noir. D'accord. Ah, ça peut être pas mal de faire un. Comment je vais faire ça? Bon, alors on laisse le noir. On laisse le noir et le tertiaire, on le met en. En étant très original, hein, on le met en rouge. Ça fait vraiment voiture majorette. Qui n'a jamais rêvé d'avoir les voitures que vous aviez étant petit en majorette? Ah oh non, ça fait trop. Ça fait trop des calcos pour le coup. Je suis obligé de piffer. Ah, c'est marrant. Hein. Après, on pourrait faire carrément un coloris. Mettre du orange à la place du vert. Histoire de faire un jaune orange rouge. Et un peu de noir. On pourrait faire ça. Hein. Ça donnerait quoi si je vais dans les oranges? D'accord, donc on voit pas la différence quoi.
C'est déjà un peu plus cohérent, j'ai l'impression. Ouais, ça donne un. Bah ouais, ça fait genre tigre du Bengale, quoi. Ouais, vas-y, on va faire ça. Énorme. Je te choisis. Par contre, ça. Je crois que ça va être compliqué. Si je crois que ça va être compliqué à piloter. On va voir. Mais c'est cool, hein. Franchement, je. Oh là là, elle est magnifique. Allez, les qualifs. Petit sexe. Après, on peut mettre la difficulté la plus maximale. Ouais, c'est peut-être un peu pétant, l'orange. Je remodifierai peut-être. C'est pas très subtil. Au secours. Premier virage qui se passe mal. Bon, ça va en fait, ça colle le pavé. Et c'est très bizarre hein, de passer du 350Z à une Viper. C'est un peu le défi de toutes les VOD, de toutes les sessions. Là, je fais de la merde et j'ai 3 secondes d'avance sur le chrono, c'est n'importe quoi. Et pourtant, on est en difficile. Hein. Ou alors, c'est ma Viper Tigre du Bengale édition. Ah, elle a l'air de vraiment tenir le pavé alors que putain, une Viper. Je pars du principe que c'est quand même assez vénère. Ça part en couille facilement quoi. 4 secondes d'avance, mais c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Pourtant, je connais le circuit. Enfin, je connais le circuit. Je suis un peu amnésique donc. Je fais n'importe quoi. Au secours. Ok. Mais ils avaient les pneus crevés Énorme. Voilà, si là j'ai fait premier, bon, spoiler, j'ai gagné la course quoi, à moins d'un accident terrible. Mais en fait, c'est fou parce qu'en fonction des épreuves, on n'a pas forcément le, avec la Ford Focus, mais c'est la grosse misère quoi. Et je suis obligé de faire les qualifs, sinon c'est trop chaud quoi. Et pourtant, c'est C'est de la petite épreuve quoi. Bonne chance mon ami. C'est pas la Ford Focus, c'est la Subaru. Vous m'avez compris. Alors que là, je m'attendais à une difficulté de ouf. Et en fait ça va. Ah ouais, la bagnole colle le pavé à mort, c'est abusé. Il me fait des appels de phare ou je rêve? Dis donc. Ah, je suis pas très regardant hein, sur la pression de la gâchette, ça. J'appuie. J'ai une tendance à tourner un petit peu trop tôt pour appréhender mes virages. Faut que je pile et après je tourne. Tellement de mauvaises habitudes.
Ouais, en fait, la difficulté est mal graduée, j'ai l'impression. Parce que là, bon, je suis un peu dissident, quoi. Bon, ça va ? Garde la tête. Bon, effectivement, ça part en couille assez souvent, mais ça va. On me double pas pour autant. Et avec une classe de véhicule un peu inférieure, je dirais, qui est quand même beaucoup plus gérable, et en me mettant avec le cerveau à 100%, j'ai du mal à passer tout le monde. Bon, en partant de dernier, évidemment. C'est un autre combat que de rester devant et de tenir la... d'avoir l'endurance nécessaire qui me permet de... de pas faire de conneries au point de me faire doubler, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un contraste bon sort. Hein. Au secours. Et là, tout part en couille. Mais même pas, c'est fou. Ok, je vais lui demander d'attaquer. Ouais, voilà. J'ai pensé à... à mon gros. Notre deuxième voiture peut pas attaquer pour le moment. Pourquoi ? Ouais, en fait, je les empêche de passer sans m'en rendre compte. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Ça, je sais pas faire. De me dire que c'est bon, paf, je maintiens une vitesse. Juste pendant quelques secondes, histoire de me dire bon, c'est bon, on est bien en vitesse de croisière. Logitech, énorme, meilleur sponsor. Voilà, déjà ça commence à rentrer un peu. Cette section, ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant. J'essaie de me concentrer sur celle d'après. Histoire de se dire que bon, on a fait une mini prouesse. C'est-à-dire arrêter de faire des conneries. Hein. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, ça mord un peu, mais c'est pas grave. Voilà, faut essayer d'être propre. Je me force à être propre. Et ça passe. Et bizarrement, je commence à mettre de la distance. Ouais. Il paraît que c'est un enfer, hein, les palettes au volant à gérer. Jamais testé. En vrai. Mais il paraît que c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Enfin, faut pas avoir des petites mains, quoi. Et faut avoir des, voilà, des muscles aux avant-bras aguerris. Parce que c'est en fait le fait de tourner et de, voilà, d'aller chercher en permanence les palettes. Ça... bah, quand vous faites des rapports un peu vénères... dans les virages, il paraît que c'est compliqué. Plus 25. Ah ouais, mais il y a quand même un système de points et tout. Quoi, écurie? Comment ça, écurie? Et du coup, notre écurie est pas première? Comment ça? Mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce que ça change? Ah, il faut que Nick Whiddle, bon, je pense qu'il va être au chômage assez rapidement. Ah, mais encore une course? Comment ça? Comment ça? Ah bon? Eh ben pourquoi pas?
Allez, on fait pas les qualifs. Je suis chaud. Nick Whittle hein, qui est en tête. Ouais, c'est bon. Et là, c'est le drame. Et ça se passe mal. Au secours. J'ai fait partir. Hein. Oui. Mais encore. Ah. T'étonnes pas si tu te fais viser maintenant. Compris. Je lui demande de pousser. Poussez fort, madame. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Ok. Au secours, je vois rien. Pardon. Non. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est les... l'apocalypse. C'est le chaos sur le circuit. Ah mais d'accord, ok, c'est Brands Hatch mais en inversé quoi. Ok. Je viens de réaliser maintenant. Bon, on est passé premier quoi. Comme des bourrins, mais on est passé quand même. Au travail sur ce premier tour. Et deuxième. Non, je suis premier, c'est mieux. J'ai fait de la merde. Non, c'est... Ah mais ce serait bien qu'ils en vrai pour qu'ils rajoutent des, un peu plus de circuits. Qui met genre... Après le problème avec les jeux de bagnole souvent c'est les droits. Autant il y a des circuits, on va aller voir dans quasiment toutes les licences, autant il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Ah, mais j'aurais bien voulu avoir du Nürburgring. Bon même si évidemment un tour de Nürburgring avec bon des genre des GT3 ou GT4, bon tu mets tu fais entre 20 à 30 minutes de tour quoi. C'est compliqué. Pour un jeu qui se veut accessible, un circuit où tu fais genre le tour en plus de 20 minutes, c'est compliqué quoi. Mais ça aurait été cool. Dernier tour, maintiens ta place. Tout va bien. On a revu. Eh, vous avez vu, j'ai pas utilisé les sables du temps. Prince of Persia, GT Racing. Il est pas mal en fait en inversé, je le préfère en inversé. C'est fou. Petit drift, c'était pas voulu. Je suis juste parti en couille, sachez-le. Non, fais pas de la merde maintenant, je t'en supplie. Juste avant la ligne d'arrivée, il fait 4 tonneaux. Énorme. Bon, on a joué comme des bourrins, mais ça passe. Ça passe, ça passe.
Allez. Je crois qu'on devait atteindre quoi? C'était quoi le niveau 30 qu'on devait atteindre pour acheter un... Enfin pour acheter... Pour se payer les services d'un... D'un nouveau camarade. Incroyable. La Viper Tigre du Bengale édition. D'accord, classique. Mais en fait, tout ça, c'est bloqué. En fait, c'est, j'ai l'impression que c'est les coupes du cul, quoi. Donc en fait, faut que je fasse tout le reste pour débloquer les coupes là. C'est terrible. Hein? Terminé. Comment ça? 4 épreuves showdown. Ah, showdown, c'est ça. Ok, donc faut que j'en termine 4 pour prétendre à la grosse. Ok. Ok. Bon, on a fait un premier. On a fait un premier. Enfin, on a fait, ouais. Pas 3 lignes complètes, mais. On a bien avancé là-dessus. Oh non, pas ça. Même si je pense qu'on va, on va terminer là-dessus. On va faire ça d'abord. Holden. Ah oui, la voiture Holden Paso. On l'avait déjà vu. Je me rappelais plus. Bon, j'avoue que là, le skin de celle-là, bof, bof. Hein. Alors là, par contre, on va faire les qualifs. On va faire les qualifs parce que cette voiture-là, je crois que c'est comme la Subaru. C'est des épreuves où on est trop limité. Kristen, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Si vous ne savez pas qui est Kristen, c'est la... C'est la plus bonne de toutes les présentatrices de course automobile. Mais alors après je dis pas, ça se trouve là on petit à petit on prend de l'aisance et du coup les qualifs sont peut-être plus nécessaires. Hein. Et je pars du principe que si quand même un peu. Ah de suite c'est plus maniable. De suite ça part moins au couille quand on tourne. C'est bien. Ça détend. Un petit peu quand même. Il y a de la reprise. Là vous voyez que mon chrono est hyper limite hein. Pourtant les premiers virages en sont quand même très bien passés. Ouais. Niveau chrono c'est quand même assez limite hein. Quand on voit qu'avec la Viper je pars en couille, j'ai 5 secondes d'avance. Et avec celle-là, ça va, c'est pas dégueu. Et j'ai même pas une seconde d'avance. Je trouve que la difficulté, elle est mal dosée en fait. Ouais. La difficulté est mal dosée. Elle n'est pas cohérente en fait par rapport à. Par rapport à votre faculté à conduire bien ou moins bien en fonction des véhicules. C'est pas grave. On est là pour piloter, pour prendre du plaisir. N'est-ce pas? Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette épreuve des Grid World Series. Kristen, qu'est-ce qui attend nos pilotes ici? On a de vraies centrales électriques ici, bruyantes, rapides, agressives. Ouais. J'ai une voiture de tourisme. J'ai... Oh, on dirait que la course est sur le point. Voilà. J'ai perdu mon tampon. J'adore à chaque fois quand tu les coupes, okay, quand tu coupes la petite cinématique. Ah, ouais, pardon Jean-Michel. Je t'ai fait tomber du café sur les couilles. Hein. C'est brûlant, ça pique. Bonjour la pommade. Au secours! Et vu que je suis premier, forcément, ils ne sont pas passés. Mais je fais n'importe quoi, mais c'est terrible. En même temps, je reste en cinquième sur un tracé comme ça, c'est n'importe quoi. Au secours.
je fais n'importe, ma vie est nulle. Bon, c'est pas grave. En même temps, voilà, j'essaie de la piloter comme la Viper. Alors qu'on sait tous que ce n'est pas une Viper, c'est une Ford. Bon premier tour. Continue à pousser pour gagner des places. Oh, je pousse rien du tout. J'ai demandé à notre deuxième voiture de pousser pour une meilleure position. Pour un caca de qualité. Notre deuxième voiture peut pas pousser pour le moment. Voilà, je vais essayer de la jouer. Oh non, le bâtard! Mais on va jamais le rattraper. Mais je fais n'importe avec cette voiture, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Je vais jamais le rattraper. Dernier tour. Vas-y à fond pour décrocher la première place. Et j'arrive pas à stabiliser mon volant en fait. Je crois que c'est ça le gros problème que j'ai. Oh là là, mais je... Ah, mais c'est terrible. Bon, bah ce sera deuxième, hein. J'assume. J'assume mes erreurs. J'assume mes erreurs. C'est pas grave. N'importe quoi. Allez. Peu importe. Mais attends, mais what? Ah non, c'est bon. Bon, on va faire les qualifs, hein. Et là, on va tout donner et on va être premier et on va gagner la compétition. Parce que vous, c'est tout ce qui vous intéresse, hein. C'est qu'on finisse premier. Hein. Les enjeux. Tout va se jouer, Kristen. À quoi pouvons-nous nous attendre? Mais c'est le même circuit? Vous avez pété les plombs? Oh non, ça commençait tellement bien! Là, c'est cool. Non! En fait, j'ai l'impression que. En fonction des véhicules, c'est l'aide anti-patinage qui me fait défaut. C'est scandaleux. J'ai fait n'importe quoi. Est-ce que je peux la recommencer? Je vais la recommencer. Juste comme ça. Histoire de... Non, c'est pas une question d'être dixième, je m'en fous. C'est vraiment, je veux la recommencer. Recommencer. J'apprenne à gérer ce véhicule correctement. Ça se passait très bien au début. Pas très bien. Tout est relatif, hein. Et là, j'ai envie de me gratter le nez. Et là, vous dites quelle erreur. Mais vous avez pas tort. Ça est la même chose. Nimble.
Mais putain de merde! Faut commencer. Oui. Je veux maîtriser ce putain de véhicule de merde. C'est où putain? Une Viper. On n'a pas de problème. Mais alors cette bagnole à la con, on n'y arrive pas. C'est où ça? Peut-être que je pars trop sur régime en fait. Donc là. Déjà pourquoi je suis en quatrième hein, l'erreur. Ah j'ai gagné, ok. Ouais. C'est l'anti-patinage en fait le problème. Mais la dernière fois on bataillait sur cette course aussi hein, sur ce circuit là hein. Bon il y a du mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Premier! Oh là là, incroyable! Et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Je comprends le véhicule, je commence à comprendre le véhicule. En fait, le véhicule est vraiment monte très vite dans les tours. Et a pas une accroche en fait. C'est vraiment le véhicule a tendance à patiner. Et vu que nos réglages sont. J'ai essayé de faire des réglages assez généralistes. Et bah, du coup, le petit réglage que j'avais fait par rapport à l'anti-patinage. Bah sur ce véhicule là je suis un petit peu à défaut quoi. J'avais un peu ce ressentiment sur l'américaine que j'ai pilotée tout à l'heure. Mais ça allait. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer. Kristen, à quoi pouvons-nous nous attendre? En direct, ça va être une. Bon là je suis premier, j'ai pas le droit à l'erreur quoi. Il y a combien de tours? Faire rien. On dirait que la course est sur le point de commencer. T'es en forme en ce moment, continue comme ça. Non pas vraiment. Pas vraiment, je suis en pleine dépression. Ma vie c'est de la merde. Mais oui, si tu le dis. Vraiment, c'est deux virages d'affilée qui. Pose problème. Hein. Je sais qu'on pourrait faire mieux. Et je n'y arrive pas. Ça m'énerve. Bon, là ça se passe bien. Là on est bon. Super ce premier tour. Ouais. Je t'avoue que, mis à part deux virages, un petit zigzag qui monte et qui descend là, ça va. Pour l'instant, je ne suis pas mécontent de ma performance. Bon, ici, à chaque fois, c'est catastrophique. Hein. On va se faire l'idée que ça sera toujours comme ça. Oui, je commence à partir sur le côté. Hein. Ça veut dire que la concentration est à son apogée. Ne vous inquiétez pas. Puis, vu que je dis des conneries, ben forcément, je fais de la merde. C'est moins bien que le premier tour, mais c'est pas grave. Cette position. Dernier tour. Oh là là, je fais n'importe quoi. En fait, faut savoir que depuis des mois, je suis extrêmement fatigué. J'arrive pas véritablement à me reposer. Et ça me vaut que du coup, bah c'est quand je joue, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Hein, que des fois, moi qui suis quand même à la base très réactif, mon cerveau a tendance à se déconnecter pendant quelques secondes. Et pendant quelques secondes, en fait, je deviens presque amorphe. Non. Ça va, ça va, ça va. J'ai pas bouffé de pénalité du cul. Ah non, hein. Ah oui, non, mais c'est fou. J'ai le cerveau qui a une tendance. Bon, là, j'ai pu se lutter contre moi-même dans cette course. Hein. C'était pas dégueu. Ah ouais, non, mais ce temps-ci, c'est fou. J'ai une...
Mais sur un jeu comme ça où il faut que je me concentre, comme sur un jeu un peu plus bidon, entre guillemets, où, où c'est plus linéaire et que je fais des choses un peu plus automatiques parce que j'ai moins besoin de réfléchir, bah, j'ai vraiment des absences en fait. Et là, il y a des moments fatidiques comme ça où je suis dans des tracés où mon cerveau est censé me donner l'info comme si, comme ça, attention, là, là, et non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, j'ai le regard vide. Et il se passe des choses terribles. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud parce que c'est dangereux en fait. Bon, là encore, on joue au jeu vidéo. Si je me vautre, c'est un jeu vidéo. Mais je veux dire, quand je pars faire les courses avec ma femme et que d'un coup j'ai une seconde d'absence alors que je suis au volant, au secours. Bon, mais je crois qu'on va terminer avec cette épreuve à la con. Oh, mais faut que j'achète. Oh, mais faut que. Attends, mais il n'y a qu'une seule voiture et il faut que je l'achète. C'est scandaleux. Bon, est-ce qu'on va la pimper? Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Je pense, hein. Je pense donc je suis. Oh là, ouais, les couleurs de l'Amérique. Ou de la France, c'est vous qui voyez. Mais c'est plus américain que français. Allez, on reste là-dessus. Le véhicule américain par excellence. Alors, je sens que ça va très mal se passer. Sur Christian Valley. Et il n'y a qu'une seule course. Donc ça va juste nous permettre de découvrir la catégorie de véhicules. Et ensuite on va s'arrêter là. Nous avons des du moins pour cette session sur grid. Kristen, avant que ça ne commence, que peux-tu nous dire? On fait les qualifs pour rigoler, allez. Ça m'a l'air très puissant, plus puissant que ce que je ne pensais. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne. Mais je regarde pas la carte en bas à gauche. J'ai pas le temps de la regarder. J'ai le syndrome de l'autre voiture et maintenant du coup j'ai peur d'appuyer. Alors là pour le coup le circuit on le connaît pas, hein. Celui-là c'est découverte. J'ai l'impression. Je sais pas, j'ai un doute. Oh là, mais on a une seconde de retard par rapport à. Ok. On met le chrono. C'est un enfer à piloter. C'est un enfer à piloter. Vous saviez. C'est un enfer à piloter. J'ai 2 secondes. Ouah. Et ben je crois même que le jeu m'aurait mis à la même position si j'avais pas fait la qualif. Bon, on recommence un petit chrono, histoire de se faire au véhicule quoi. Ah parce que là c'est l'enfer. Ah mais j'ai peur d'appuyer, c'est un truc de ouf. Des trucs mais ça marche pas. Vas-y, mais elle est tellement lourde, s'abuser à une seconde, là, c'est officiel, hein. Mais elle est tellement lourde. Oh là là, non mais attendez, mais c'est un truc de ouf. Je veux pas être premier, je veux juste arriver à faire un tracé correct. Ah ouais, j'ai voilà, bah voilà, le moment fatidique où mon cerveau se déconnecte. Voilà, vous avez l'exemple.
Voilà. D'accord, donc quitte à faire un sous-régime, autant l'assumer quoi. C'est déjà mieux. Bon, c'est de la merde, mais c'est déjà mieux. C'est pas grave. On l'a fait. Allez. Voilà, c'est qu'on a un tracé correct, quoi. Que je commence à, voilà, à piger, on a 3 tours à faire, bon, on verra bien. Puis si je la chie, mais je la chie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais bon, normalement, voilà, on a le pick-up américain. Dis-moi, à quoi peut-on s'attendre ici ? Merci, Alex. Tout le plaisir est pour moi. Ouais, c'est bien. C'est mon style de circuit. On vient de me signaler que les lumières vont s'éteindre sous peu. Merci à tous. Allez, cassez-vous sans déconner. Ah, petite sortie de route. Pourquoi je suis en quatrième ? Ah, je prends trop à l'intérieur. Je prends beaucoup trop à l'intérieur. Avec le poids que fait le bordel, il faut que je sois à l'extérieur. Ah, parce que là, je me fais sous-virer systématiquement en fait. Ah, c'est compliqué. Ça va être très compliqué. Deuxième tour, t'es en milieu de peloton. Le genre d'épreuve qu'on va peut-être devoir passer en normal hein, pour les réussir. Putain, Isabella, c'est Vin Diesel quoi. Hein. Putain, j'arrive pas à me démarquer en fait, c'est ça qui me rend fou. J'arrive pas à. Putain. Je me fais même chicaner quoi. Et dernier tour, il faut gagner du terrain. Ah, mais du terrain en fait j'en perds. Et arrête un peu, calme le jeu. Sixième, oh là là, quel enfer. Bon, que je fasse au moins troisième quoi. C'est un minimum. Ah je prends, voilà, bah, attendez. On va la recommencer. Faut que j'arrête de prendre autant à l'intérieur. Je joue trop à l'intérieur. C'est un gros défaut. Essaie de dépasser tôt dans la course. Ah bah ouais, ok. Si ça marche comme ça. Hein. Ah mais... Ah si. Bon, merde. Voilà. Merci à tous.
que j'arrive à. Mais allez vous faire enculer sans déconner, putain, mais. Je suis dans une impasse. Merci de nous avoir rejoint pour cette épreuve des Grill World Series. Kristen. Ah puis là, encore ce sera avec une autre bagnole, je me serais accroché, on l'aurait tenté, mais là ce véhicule là c'est l'enfer du cul. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves avec. Hein. Sous-régime à son paroxysme. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, j'arrive vraiment pas à la piloter. Mais je vous déteste. J'y arriverai pas. Et deuxième tour, tu suis le rythme. Ah bah ça va être le tryhard de fin d'épisode. Il en fallait bien. Non mais. Nous avons des compétiteurs exceptionnels pour l'épreuve principale. Non, clairement, je tente un dernier. Et si j'y arrive pas, on quitte, on met en normal. Et on la valide, mais en normal. Non parce que là j'enlève la clé. Ah oui non mais c'est bon. Ouais bah c'est génial. Seul virage où je peux espérer doubler 3-4 mecs d'affilée. Ah, puis rester en quatrième aussi, mais quel enfer! Voilà, je sais pas. Voilà. C'est passé, je sais pas comment. Bon rythme. Bon, en gros, j'ai vraiment deux virages au petit où je peux espérer. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Cette épreuve de ces morts m'a fait vriller. Allez, on m'a un intermédiaire juste pour cette course. Non, parce qu'il faut la valider. Attends, je veux juste regarder. Ouais, ça va être très très long si je veux regarder. Mais je voulais voir si en fait il y avait des épreuves comme ça, mais. J'ai pas l'impression. C'est rarement, ils se sont fait un trip, ils ont dit, vas-y, on va leur mettre un pick-up et ça va être super. Oh non. Ok, c'est la ligne de la mort quoi. Mais de toute façon, je le savais très bien hein, quand j'ai vu qu'il y avait de la voiture américaine. Je savais pertinemment que ça allait être une ligne qui allait. Oh ouais, non, mais en fait, il y en a des millions dans cette ligne là. Oh non, mais vraiment. Recommencer. Oui. Et magnanime, je ne fais pas les qualifs.
Ah désolé, on n'a pas le temps. Ouais, ils sont un petit peu moins vénères dans les virages, hein, ça se voit. Ah, putain, trop là. Trop intérieur. Time ça. Ah il m'a saoulé ça trop de ouf. Bon cinquième ça se passe déjà mieux. Deuxième tour, t'es en milieu de peloton. Mais casse-toi bordel de merde Raïm. Reste en dehors de son chemin, ne fais pas sortir. Raïm qui va jamais me laisser passer. Allez, on a juste le premier à passer. Il est très très loin malheureusement. Je pourrais me chier dans la colle. Merci à tous. Mais non mais merde encore. Oh là là mais. Je me déteste. Oh non, putain, non. Non, j'ai une pénalité. Non. Mais non. Je fais une course quasi parfaite et tu payes qu'à la dernier tour. Ah la prise de chou, merde. Pick up de ses morts quoi. Ok, je suis à la radio si t'as besoin. Ok, je lui demande de pousser. Mais allez vous faire enculer, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est quoi le syndrome de quand on vous rentre dans le cul, vous freinez comme des connards? C'est un peu un mouvement oppositoire quoi. C'est bon, t'as dépassé les bornes ici. Alors Raïm Sheriff, je le dépasse maintenant. Oh là là, cette escalope. Putain mais le premier a une avance. Non, allez vous faire foutre. Et il freine. Thank you.
à l'intérieur, mais c'est un truc de dingue, je perds tellement de temps. J'arrive pas en fait, elle est beaucoup trop lourde. Ah bah clairement c'est pas avec ça que je vais jouer en ligne. Si un jour ça arrive. Bon et oui, on se retrouve dans le même schéma où le mec a autant de d'avance que. Voilà, il a fait un virage de la chie parce que je suis un connard. Promis, après vous entendrez plus parler de moi. Et là il me double. Le pick-up de ses morts. Oh, bon on est en normal hein. Pas trop de prestige mais quel soulagement. Autant la dernière fois on avait tryhard mais c'était cool. C'était cool, il y avait vraiment un sentiment de plaisir à progresser, mais alors là, sur la fin, je sentais que ça allait un peu mieux. Mais en difficile, je l'aurais jamais passé. Ou alors, dans X temps, après moult tryhard et moult emmerdement. Ah ouais, non, mais quel emmerdement. Par contre, pourquoi on est plus qu'à 62 000 maintenant? On a acheté beaucoup de voitures aujourd'hui? Peut-être. Enfin bref, du coup, je remets la difficulté en difficile. Voilà. Et on va s'arrêter là, du moins pour cette session sur Grid, sur cette troisième session qui était, ma foi, fortement sympathique. Mis à part, évidemment, ce tryhard de merde avec ce pick-up à la con. Bref, des gros bisous pour YouTube et à bientôt du coup pour la quatrième session, le quatrième épisode de ce let's play incroyable sur Grid. Voilà, des bisous.